Samedi, alors regardez pas ma tronche, hein. Je suis pas très bien coiffée et tout parce que ben là je vais justement chez le coiffeur. Ah, ça va faire du bien un petit peu de couper tout ça, de refaire la couleur, puis en plus ils sont bien abîmés les bouts là. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi là la luminosité elle est bien en faisant les reverse de la caméra de mon téléphone, bon bref. Donc du coup ben, on se retrouve après le coiffeur pour voir ma nouvelle tronche. Et en plus aujourd'hui j'ai plein de vidéos à faire. On est samedi, je vais en profiter. Il y a mon homme qui est là pour garder, pour les surveiller. Donc ça c'est plus facile quand je fais mes vidéos. Voilà. Donc on se retrouve après le coiffeur. Bye. Vous voyez le temps, il est quand même encore pourri. De sortir de chez le coiffeur, ça a fait du bien. Bon, je suis assez blonde, mais j'aime bien dire qu'avant jamais je me serais dit oh, je vais de brune, je vais passer à blonde. Je me dis, moi jamais je vais tenter. Et ma coiffeuse m'a convaincue, et du coup, j'en suis ravie. Voilà, donc maintenant je vais rentrer parce qu'il est 13h30. J'avais rendez-vous à 10h, donc vous voyez, c'est assez long et j'ai la dalle. Donc voilà, je vais aller manger. Allez, bonne journée. Donc je viens de rentrer de chez le coiffeur et là j'ai un petit colis qui est arrivé, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc c'était dans une petite boîte comme ceci, super bien emballé. C'est de la marque Color Alike. Donc j'avais commandé, donc ils m'ont donné une petite raclette là. Donc forcément ça va être du stamping. Donc deux plaques et un vernis. Les plaques que j'ai choisies. Alors je m'attendais pas à ce format. C'est vrai que trop l'habitude d'avoir des rectangulaires de chez Born Pretty. Celles-là elles sont vraiment petites. Mais voilà le design. Alors on dirait pas qu'il y a un film transparent sur le dessus. Donc il y a celle-là. Et celle-là. Je vous mettrai le lien de ce site en barre d'infos si ça vous intéresse. Je ne sais pas encore la qualité, mais j'avais vu une artiste qui avait fait une déco avec ces plaques-là. Elle en disait du bien. Je voulais faire ma propre opinion là-dessus. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ce site-là. Et le petit vernis. Alors, je ne sais plus si c'est un vernis à stamping ou un vernis normal. Stamping polish, il y a marqué, donc c'est pour le stamping. Donc vous retrouverez tout ceci dans une prochaine vidéo nail art sur ma chaîne. Je me suis déjà maquillée parce que ce soir j'ai une soirée. D'ailleurs j'essaierai de vous emmener avec moi. C'est une soirée danse où il y a plein d'artistes qui vont venir danser sur scène, de toutes les danses diverses et variées. L'année dernière, il y avait du raga, il y avait même la pole dance, il y avait tout ce qui est oriental et tout. C'était vraiment sympa. Il n'y a pas que de la danse aussi, il y a des chanteurs. C'est sympa. Alors, c'est pas des gens connus, hein, mais c'est top. Donc, j'essaierai de vous filmer quelques bouts pour vous montrer ce que c'est. Là c'est à Pessac, c'est à la salle Belgrave pour celles qui connaissent, qui sont de Bordeaux. Je vous montrerai ma tenue de ce soir. Et puis là je vais enchaîner mes vidéos tant que j'ai encore un petit peu de temps et qu'il fait beau, qu'il y a du soleil, ça change. Voilà, donc je vous dis peut-être à tout à l'heure. Dream on, boy, from my heart to the
Thank you.
Et donc je suis rentrée du spectacle de Terrence. C'était cool, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance. Il est pratiquement minuit. Je vais vous montrer une photo d'avant quand j'étais en brune. Parce que bon, à la base, je suis brune. Vous me direz si vous me préférez en brune ou en blonde. Allez, je vous dis bonne nuit. Ciao. Je vais vous montrer un truc rigolo sur mes chiottes. Mais oui, je vais vous montrer mes chiottes. Non mais ça marche pas. Ah si. Vous avez vu? Et ça vient d'AliExpress. C'est pas rigolo ça. Si vous avez des mômes. Voilà. Sur ce, bonne nuit. Bienvenue au marché. Pas mal. Du coup, on n'a pas trouvé d'idée pour manger ce midi. Donc on va aller se commander des pizzas. Puisqu'on voulait aller à Planète Sushi, mais c'est fermé le dimanche midi. On s'est tâté pour faire une balade pour le chez papa, mais vu le temps, il fait tellement froid que on va rester au chaud. Mais j'ai pu le sauver un petit peu. En fait, il était cassé. Mais sur le dessus, en fait, il s'était un peu dédoublé. Donc, j'ai poli. Voilà. Puis, j'ai raccourci. Du coup, je vais remettre du vernis dessus. Bon, j'ai bientôt fini. Il me reste plus que les marrons à mettre en place. Et là, je me suis dit, finalement, parce que là, vous avez l'ancienne collection des Color Club. L'écriture n'est pas tout à fait la même. Que la nouvelle, vous voyez le logo, ils sont un peu changés. Du coup, je mélangeais pas les anciennes et la nouvelle. Finalement, ça me saoule. Je crois que je vais mélanger. Donc, je vais tout enlever et tout reclasser par peinte. Allez, c'est parti. Du coup, je me colle un petit truc, un repère pour savoir lesquels je n'ai pas testé encore. Voilà mes petits nuanciers. J'en ai fait deux séparés pour pas que ça soit trop rempli. Voilà. Et tout à l'heure, je finirai les marrons. Du coup. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Alors, on parle que des Color Club. Hein. Donc, c'est-à-dire 7 rangées, 7 rangées, 7 rangées, plus cela. Et puis, il y en a un petit là aussi. Voilà. Donc, on va voir si vous avez une bonne estimation. Vous allez me dire combien j'ai de Color Club. Allez, les filles, une estimation en commentaire. Et prochain vlog, je vous dirai qui s'est rapproché le plus.